Soleil, un bel pelouse, c'est que à ce climat là le football aime ceci. On revient avec l'aile pour Ngomo de Coton Sport, Ngomo qui cherche une solution. On va s'appuyer sur qui sinon c'est Tabawa sur le côté droit et Tabawa fait bel geste technique, il essaie de fixer la défense de la panthère, du tonnerre autant pour moi. On revient au ballon Ngomo. Le terrain ne passera pas. Le ballon récupéré par Apoua. Faute de Sibiri. Le ballon va être remis à la défense de Tonnerre, TKC, qui va s'en occuper. Lémi, qui joue pour Abogo, le gardien. Abogo cherche une solution sur le côté droit. Ga qui va mettre le ballon très loin là-bas pour Anaba. Anaba contré, qui va, sous la pression de Ngomo de Coton, qui va pousser Anaba pour mettre le ballon en touche. Remise en jeu au profit de Coton et Tabawa. Rapidement pour Etamé. Tabawa essaye de revenir avec Ngomo qui met le ballon au milieu de terrain. Le ballon, attention, Anaba qui va fixer la défense de Coton et contré pas. Et par le défenseur Etamé qui laisse Boulen. L'un qui joue rapidement pour qui il a cherché sur Boulen, mais le ballon est contré. Pamba. Mba qui joue au milieu de terrain pour Messi. Messi pour Mba. Mba qui va lever le ballon. Trouvé qu'il est au milieu de terrain. Heureusement que la défense de Coton qui s'est réglée très rapidement. Messi qui paye, qui a voulu mettre le ballon. Et le ballon a été contré rapidement. On cherche là-bas Abate Etundi. Abate au pressing. Le ballon sera juste pour le gardien de but Abogo qui peut se dégager très loin là-bas directement sur Etabawa. La main, Yama du 211 qui n'est autre que Nga. Le ballon joue rapidement à la rémoise entre Etabawa. Etabawa cherche Moussou là-bas. Ça sera une sortie de touche pour le tonnerre de Yaoundé. Une touche. L'arbitre demande à Apoua de remettre le ballon, c'est joué rapidement avec Messi au milieu de terrain. Messi, il est obligé de passer par Ebouélé. Ebouélé cherche plutôt son gardien de but à Abogo. Abogo, il cherche Apoua là-bas. Ebouélé autant pour moi. Il n'y a pas de solution. Les défenseurs de Coton ont quatrié le milieu de terrain. Le ballon est sorti. Ça sera une sortie de touche pour le Coton. Sibiri au départ. Il va laisser plutôt à la tour de contrôle de Coton Sport de Garoua qui est Etabawa. Etabawa. Il joue pour Moursou. Moursou. Etabawa qui a raté sa relance. Et puis ils peuvent récupérer Moursou séché. Il est séché. Et avec le pied. Et avec le pied de Lémi.
CG Moussou et Tabar qui joue rapidement pour Sibiri sur le côté droit. Sibiri qui met le ballon pour le penalty et Messi qui est rentré, dégagé, le ballon reste néanmoins pour le coton. On cherche une solution, on va passer par Tabawa qui va lever le cuir directement dans le point de Abogo. Abogo, le gardien de but qui se dégage là-bas très loin en direction de Anaba qui est contré par la défense de Coton. On repart au milieu par Moursou qui perd le contrôle, mais il est au pressing. Le ballon revient pour le tonnerre, passe par Messi. Messi qui s'appuie sur Signé. Signé. Il met le ballon contré par Etame. Le ballon est dans les airs au milieu de terrain. Etabawa qui va venir. Attention. Messi qui va passer sur vis-à-vis. Le ballon revient. Et Bolé, il lève le cuir contré. Ça sera le tout premier contre. Le tout premier corner pour le tonnerre. Ça se joue bien. Il y a du temps. On a un jeu encore à 13, 14e minute pour cette rencontre. Le Coton est premier dans cette poule-là. Le corner avec Gaha au départ. Le ballon va partir de la droite vers la gauche avec Gaha. Gaha. Le ballon est dans les airs. Et la tête de Arena qui est revenu. Attention, contre-attaque va amorcer. Soebou va amorcer une contre-attaque. Et Soebou, 3 contre 2. Il a vu le départ d'Arena. Soebou contre le ballon. Soebou qui demande. Arena qui demande le pied gauche sur le côté gauche. Arena. Il va rentrer dans la surface. Passé, il frappe le pied droit. Et au-dessus. C'était bien pensé. Frappe très enroulée. Il a enroulé sa frappe. Qui est passée au-dessus. Des buts gardés par Abogo. La défense. Du tonnerre. C'est Rego. Abogo positionne sa défense, demande à ses coéquipiers d'aller en profondeur. Il peut se dégager directement pour Lenne qui est sorti de sa cage. Le gardien de but de Coton Sport de Garbois. Il y a eu un petit truc entre Ebole et Lenne. On joue rapidement pour Etabawa. Etabawa au pressing poussé une faute. La faute de Gars sur Etabawa, sur le côté droit là-bas. Il faudra que Coton mette fin à cette série de 3 matchs sans victoire, 2 défaites, 1 match nul. 2 défaites, 1 match nul. Il faudrait qu'aujourd'hui, attention hors-jeu signalé à Naba. Était hors jeu, l'avant-centre de Tonnerre Calabre Club était cassé. Le premier assistant a bien vu le départ de Anaba. Etamin qui cherche Etabawa, qui le trouve sur le côté pour Alaba. Une sortie pour le Coton. Non, monsieur Labit, c'était le pied de Ebolé. Mais l'arbitre va laisser plutôt une sortie des touches pour le TKC. On joue, on va chercher là Anaba, mais plutôt Sibéry qui revient récupérer le ballon. Sibéry, il a voulu remiser là-bas. Le ballon reste pour le Coton, milieu de terrain avec Ebongé. Ebongé pour Moussou. Moussou qui demande sur le côté gauche là-bas. Deirou qui s'appuie sur son capitaine. Seibou pour Deirou. Oh, c'est pas bien calculé, sinon la défense de la Panthère qui va mettre du tonnerre, qui va mettre le ballon en touche. Ballon, la touche pour le Coton dans le camp de TKC, le ballon dans les airs, attention, faute de Abate Etundi. Petite main de Abate Etundi dans la surface de réparation de TKC. Abogo qui s'apprête à dégager, c'est couvrant dans sa surface de réparation. On sait que chaque équipe qui joue avec le Coton, c'est la finale. On se donne à fond. Les joueurs se jouent, chacun joue son football, l'individualité. Pourquoi pas devenir la saison prochaine jouer pour le Coton. On veut se faire voir. Le Coton, faute. On va repartir avec Etamin. Etamin qui joue pour les Bongais. Le Bongais, il s'appuie sur son défenseur.
On change de côté. On va trouver Ngomo là-bas. Ngomo. Ngomo. Qui cherche en profondeur. La tête de la défense. Le ballon ne partira pas. Reste pour le milieu de terrain de Moussou. Fautu Moussou. À quelques 35 mètres de but de Abogo. Moussou qui va. Il a pris un coup de pouce. Il a pris un coup. Sibiri au départ de ce coup franc. Sibiri. Et Sibiri. L'arbitre lève le bas. Il va suivre le coup. Et Sibiri qui sera au départ. Et Sibiri. Les supporters donnent le temps. Les supporters donnent le temps. Ils veulent voir le premier but de Coton. Peut-être ça sera sur ce corner, ce coup franc. On joue à deux pour on met le ballon. La défense qui est Belé qui est revenu, ça sera un corner. C'était bien vu. C'était très vu. C'était bien. La demande, l'appel de balle de Tabawa. C'était bien vu. Corner pour le Coton. Au départ du ballon, ça sera Sibiri. Sibiri qui lève le ballon, la tête de Bongué, ça tombe sur la tête du défenseur, le ballon reste pour la défense, on va aller avec le ballon récupéré par le cotonnier, Sibiri pour qui, pour Bongué, et Bongué pour Eta, le ballon est contré, on repart à Naba, Naba qui cherchait Bouéné là-bas sur le côté gauche de Tonnerre, on change carrément là-bas, très long pour l'appel de balle de Messi qui sera trop court, et le retour de Ngomo pour Daïrou. Les jeunes juniors qui sortent du centre de formation de Coton Sport. Il faudra dire que ce centre de Coton régorge des grands joueurs. On peut le voir cet après-midi à l'occurrence de Daïrou. Ibrahim, il joue bien. Faute au milieu terrain, faute de Moussou. C'est également un autre produit du centre de formation de Coton Sport de Garoua. Ils sont deux sur l'air de jeu cet après-midi. Les jeunes, on les a vus depuis le poussin. C'est entré au centre comme poussin. Aujourd'hui, il joue à l'équipe première de Coton Sport de Garoua. Et ça fait la fierté. La tête de Ngomo. Pour Daïrou. Le prodige. Qui attend ce qui perd ce ballon. Et c'est la frappe de deux points le gardien de Budlen. Pour réussir cette action. On doit repartir pour Sibiri sur le côté droit. Sibiri. Il va essayer de fixer les façons vis-à-vis. Très beau geste technique. Avec Moussou pour Eta abatté, fauché au milieu de terrain. Daïrou, on joue rapidement pour Soibou qui fixe Nga. Soibou qui va rentrer dans la surface de Palaison. Et le capitaine de Tonnerre. Pundi, le capitaine de Tonnerre qui met le ballon en touche. On dit que les deux capitaines de Coton sont sur le banc de touche, à savoir Oukine et Daouda Kamelou. À l'absence de ces deux, on a Soibou, le capitaine du jour. Peut-être que son capitaine va porter le fruit. Ah, c'était bien joué. Oh, la tête de Abate qui est tombée sur le dos de Arena. Les deux étaient dans les airs pour rabattre ce ballon dans le but de Abogo. Ça sera une sortie de but. La 21e minute de jeu. Le score est de 0 but partout. Amis téléspectateurs de Guiligis, de Kaélé, de Libreville au Gabon, de Ngaoundéré, de Douala, de Yaoundé. Vous ne ratez rien. Attention que le Coton. Pas Sibiri qui va revenir. Non, Sibiri qui fixe la défense. Sibiri qui arme la frappe à côté. C'était bien joué de la part de Sibiri. On avait vu ce ballon au fond. C'était bien pensé par Sibiri. C'est très bien pensé. Je pense qu'avec ce genre de frappe, ça peut produire les étincelles dans le but. Et c'est bien de tenter d'essayer. C'est bien d'essayer. Le dégagement de Pondi. Et Daïrou dans les équipes là-bas, le ballon pour son capitaine. Soibou. Il perd le ballon. Il est récupéré. Guémé, Arena, attention. Oh, le ballon dans la surface de réparation. Sinon, le gardien de but. Il sort pour réussir cette action. Abogo.
il a du fer à retordre cet après-midi à Bogo avec l'assaut, les assauts des attaquants de Coton Sport qui ne nous laissent pas le temps de respirer. Le dégagement d'Abogo qui traverse la médiane. Le ballon, attention, Ebouélé qui a changé de côté, qui va fixer là-bas. Ah, le bon retour de Ngomo, ça sera un corner pour le Tonnerre Kalara Club Kamakai. Un corner qui va partir de la droite vers la gauche, au départ du ballon. Le dorsal 11, qui n'est autre que Nga. Nga qui va prendre tout son temps. Le ballon qui se lève. Poussine dans le camp, une faute, une charge et sur le défenseur de Coton. Len va devoir exécuter cette sentence. Le Tonnerre dans sa tenue traditionnelle, le noir et le blanc, le coton, le blanc et le vert. Un très beau climat. On va saluer Raphaël. On va saluer Raphaël Yonke qui suit depuis la Russie. Qui nous suit depuis la Russie. Bon après-midi à toi. Ils sont nombreux comme ça, partout dans le monde pour nous suivre. On le salue là-bas depuis la Russie. Raphaël Yonke, bon après-midi à toi. La 24e minute. Ton équipe favorite, ton équipe du cœur, comme tu l'as dit, le Coton Sport. Zéro pour ton équipe, Raphaël, zéro pour le TKC. On joue la 25e minute, il y a encore 20 minutes pour la première manche. Et on a de très belles choses à avoir dans les minutes qui suivent. Koufran, qui sera botté par Gomo. Long dégagement de Gomo. Il y a un pushing. T'as batté Toundi sur le dos, dans le dos de Messi. Et dans sa 10, le Tonnerre qui s'appelle Messi. Et Freddy Dash en Finlande. You are welcome. Abdul Karim Ben Oumar depuis Samelima également. Ils sont nombreux dans sur notre téléscripteur. Ils suivent le match bout à bout de Coton Sport de Garoua. On revient avec Etame. Etame Pungomo à chercher une solution. Pour trouver une solution. Attention, le ballon est rattrapé par Messi, le milieu de terrain. Tonnerre qui joue rapidement pour Singé. Singé, autant pour moi, Singé. Singé, et pour qui le pied de Arena. Pour mettre le ballon en touche. Bon retour. Nga. Là, chercher une solution, rattraper par le milieu de terrain, repas contre-attaque de Coton Sport. Heureusement que Messi de Tonnerre qui est revenu, il joue rapidement pour Anaba, contré par Swaibou. Daïbou qui est revenu récupérer, Daïbou. Le ballon reste dans le camp de Coton Sport avec le milieu un peu soufflé. Abatté Toundi, faute sur Abatté Toundi. Ça mérite quand même un petit quelque chose, monsieur l'arbitre. On va dire bonsoir à Bouaka Soibou depuis Boya. Le ballon est pour le coton, attention. Abatté. Tabawa, Tabawa qui le fait sans vis-à-vis. Tabawa, il met le ballon au point de penalty. La tête d'Arena dans les airs. Le ballon reste pour Abatté dans la surface de réparation. Il ne fera pas le pied de Messi qui est venu dégager. Il peut se dégager en catastrophe là-bas de la défense. Pungumu qui est sorti des gangs. Pungumu là, quand il frappe au-dessus. Bien joué. C'est bien tué. Etienne Eko, Saint-Sucin depuis Châteauroux en France. Bon après-midi à toi depuis la France. Châteauroux. Depuis la France qui suit Coton, qui suit notre match. On a également Colin Bouba depuis le Canada. Ils sont nombreux. Ils tombent sur nos téléscripteurs. Merci à vous et à tous les supporters de Coton Sport de Garoua. Vous suivez le match en live sur votre télévision MCTV et Coton Sport à temps réel. Minute by minute, nous sommes en direct depuis le stade annexe de Rumdi Adja.
La 27e, 28e minute de temps pour moi. Le ballon pour Lène. Lène qui joue pour Ngomo. Ngomo. Et Bongué. Ngomo. Il passe par son gardien Lène. Il faut le réveiller Lène. Ballon. Il faut éteindre. On cherche une solution. Ngomo. Ngomo. Tourne bien, ça tourne bien, ça reste dans la surface, dans la défense. Il faut aller de l'avant les joueurs, il faut aller de l'avant. Le but c'est de l'autre côté, il faut aller de l'avant. C'est bien joué. Avec Moussou qui va aller impacter contre mais le ballon reste pour le coton. On revient, on perd le contrôle. Le milieu de terrain de la panthère de tonnerre. Faute de Ebongué. Zibi Landry, bonsoir à toi depuis Yaoundé. On peut se dégager le tonnerre avec Anaba. Il ne se sent pas compris, ces deux joueurs. Fomo Thomas, au fan club de Coton Sport depuis Napal en Asie. Je sais qu'il est tard là-bas chez vous. Napal en Asie, vous nous écoutez, tu t'es réveillé tôt pour suivre cette belle rencontre entre le Coton Sport de Garoua et le TKC de Yaoundé. Merci à vous. Voilà. Et dans les airs. Voilà. Et ta main. Pour Ebongué, de la Ebongué. Pour Moussou a mis le terrain, Moussou est poussé, mais l'habité les joueurs, l'épaule contre l'épaule, attention contre-attaque. Et heureusement que la défense de Coton s'est regroupée très rapidement. Et Ebongué est revenu. Au jeu, l'habité les joueurs, le ballon va continuer. On revient, le milieu de terrain de Panthère, du tonnerre, le tonnerre. Cherche une solution avec Anaba. Anaba qui va aller éteindre au bout des chaussures pour cette tension, mais le ballon reste tout dans le camp de Coton. On revient avec Nga. Nga qui va lever le cuir. Très loin là-bas. Et Tabawa, belle couverture de Tabawa pour relancer en direction de Sibiri. Attention, il est hors jeu signalé. Oh là là. Il était lancé. Ngeme Arena a été lancé comme une flèche. Mais il a été signalé hors jeu. Patrick Moukoko depuis la France. On a Benny Arnold Goumont. Ça se joue la poule de Coton Sport. Ça se joue vraiment. On va voilà, attendant pour la poule. Ça charge de données et dans le moment nous allons revenir sur le score, vous donner le score de la journée. Mais maintenant, allons d'abord avec le coton. C'est voilà la fin de cette journée, les changements au classement va se poursuivre. Penalty! Et c'est bien un penalty dans la surface de un penalty. Ah oh oui, c'est bien vu. Il est allé. Ça sera plutôt un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. On avait vu comme si Dairou était dans la surface, mais l'arbitre a désigné plutôt l'entrée des 16 pouces. Cette faute sur Dairou, autant pour moi. Mais très beaucoup. Un bon tireur pour mettre le ballon au fond à Bate Etundi qui est sur le ballon. Je peux voir un, deux joueurs seulement de Coton qui sont rentrés dans la surface 3 maintenant avec Ebongué qui renvoie. Il y a Sibéry qui intervient également. Daigou à la retombée, à la sortie. Ils sont 3 à la ressortie, à la surface pour. Il faut un géant. Lui, Ngomo qui va monter également avec sa taille qui pourra faire parler. Et on va sur le coup franc. Le ballon qui va s'élever. Il a voulu mettre directement, mais contre le ballon sur la barrière. Le ballon reste dans la surface. La tête de ballon
Le reste n'est à ma pour le côté avec Moursou. Et ta main sur le côté gauche, droit. Et ta main. Il a essayé de passer son visage. Attention, contre ta menée. Cette fois-ci, 3 contre 4. Ça ne passera pas. Heureusement, de la tête, le ballon pour l'aile. Faute sur Etame Gombe de Coton. Faute sur Etame. On va dire à Mouchoua Choco depuis la Turquie. Bon après-midi à toi là-bas. Depuis Turquie, tu nous suis. Bouba Sana. Depuis Kousseri également. Ils sont nombreux. Barkada Salah à vous là-bas, Kousseri. Barkada Salah à tout le monde. Ceux qui nous écoutent. Depuis, qui nous suivent depuis la Turquie, ils sont nombreux comme ça, qui tombent sur le téléscripteur. Depuis Dubaï, nous avons Pro Viking, depuis Dubaï. Ah, Saïdou, pour Saïdou, contre. Attention, Saïdou précis, Saïdou. Il y a même c'est la vie de les jouer. Le ballon, là, qui va se dégager. Ah, il y a duel entre Ngomo. Ngomo qui sort vainqueur de ce duel. La défense de Coton qui se retrouve rapidement. Le 222 saigné. Attention. Etame. Etabawa. Etabawa pour contrer le gardien des deux points qui sort. Très beau jeu. On va aller avec Sibiri. Sibiri. Sibiri qui couvre bien son ballon. Sibiri. Oh, qui rate. Le ballon revient. Pour qui? Anaba. Anaba qui a, attention, il n'est pas hors jeu. Heureusement la sortie de l'aile, il n'était pas hors jeu, et Boile. Oh, le gardien a suivi. Heureusement que l'aile veille au grand. Voilà, là, faut être vigilant derrière les joueurs. Faut être vigilant. On repart avec Moussou. Moussou pour Etaba. Etabawa. Etabawa qui a vu l'appel de balle de Soibou. Soibou qui va, Soibou. Dans la souveraine, elle est passée. Soibou à côté. Oh là là. Il a déclenché une belle frappe sur sa course. Et c'est passé. Et c'est passé à côté de but. À côté de but de Abogo. Attention, 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 le capitaine du tonnerre. Le capitaine de tonnerre. Plus que 10 minutes à jouer pour cette première manche. Nous sommes toujours à 0-0. Souleymane Abouakar va essayer de donner des consignes, surtout de parler à son capitaine du jour, Soibou. C'est reparti. Sorti, touche pour Gars. Il cherche une solution. On joue. On passe par le capitaine. Pondi pour Abogo. Le gardien qui sort de sa cage pour dégager très loin là-bas. Sinon pour Etabawa. Au pressé et Boile. Oui, la tour de contrôle de Coton. Etabawa. Flé technique, intelligent. Les jeunes prodiges de Coton. Oui, l'appel de balle abatté. Ça va sortir. Ça sera une sortie de but. Garde de pas. Garde de TKC. Garde de TKC. Il cherche là-bas Anaba. Anaba de la poitrine. Il pose son ballon. Il cherche qui? Rentre de touche pour le TKC. Ga, il a voulu jouer très loin là-bas, sinon tombe le ballon, tombe sur. Faute sur Etame. Faute sur Etame. Faute sur Etame. Depuis le Canada. Bon après-midi. On a nos téléspectateurs depuis Kribi là-bas qui nous suivent. Ils aiment bien Coton Sport. Ils aiment bien le championnat camerounais.
Attention, Abate, le ballon pour Sibiri. Sibiri pour Abate dans la surface de réparation. Abate qui va appliquer pour le gardien Obogo. Une frappe instantanée pour Abate. C'était bien. C'était bien pensé. Il y a corner. On va dire bonsoir à Baba Didi Saïdou Dibourla, chef d'été de Pimora. Bon après-midi à vous. La tête de Coton qui passe au-dessus de Ngomo. Attention, gars qui va mettre le ballon en touche. Et pour le Coton, il a dégagé en catastrophe pour les assauts de Coton. Attention, il y a deux ballons sous l'air de jeu. Il y a deux ballons sous l'air de jeu. Et Tamé va mettre le deuxième ballon dehors. Rentrée de touche. Beyrou. Attention, Mba qui contrôle le ballon. Le ballon reste néanmoins pour point 2. Le poids. Une belle couverture de ballon. Beyrou qui change carrément de côté pour passe de la gauche vers la droite pour Etabawa. Sibiri Etabawa. Etabawa trop long. Ballon pour sinon pour c'est sorti. Sorti. C'est bien joué Etabawa. Rentrée de touche. Départ, Lémi, pied cassé, attention, sorti cette fois-là pour le Coton avec au départ, et d'abord pour Ngomo, il va chercher Ngomo, la pression, il perd Sibiri, il perd le contrôle. Heureusement que Etame Veyogrand qui est revenu. On repart avec Moussou. Moussou qui va amorcer une contre-attaque. Pour qui? Pour Saïdou. Saïdou essaie de fixer son vis-à-vis. Saïdou. Attention, il y a des joueurs au milieu. Il passe par Sibiri. Sibiri, il a vu Etame va me contrer. Attention, Abate. Saïdou, sous bonne place de frappe. Saïdou. Le ballon qui va raser la barre montante. Le deuxième poteau. Ça s'est bien joué là-bas. Ça s'est bien joué. Ça ne va pas avec le capitaine. Il était cassé, Pondi. Il souffre ce joueur. Mais il reste debout. Dégagement de Abogo. Abogo, le ballon revient et pour Ebongé de Coton, Ebongé pour Moussou, il a vu l'appel de balle de Saïdou, Saïdou qui va le fixer du joueur, Saïdou sous son pied, il met le ballon pour le penalty, ça ne sort pas, ça résiste, sortie de but, il a raté sa prise de balle. Un change. Pour Ebolé. Autre haut, sinon pour Len, le gardien de but de Coton, on n'a pas beaucoup vu cet après-midi. Len, il n'a pas été beaucoup sollicité. Contrairement à Obogo. Oh, Len qui dégage, il a vu. Etabawa, Pushin, mais l'arbitre, le deuxième assistant, le maître, la touche pour le TKC. Plus que 4 minutes. L'entrée de touche. Ça joue bien. Avec Apoi. Attention Sibiri. Sibiri, le ballon. Ah, de la tête, c'est trop haut. Le ballon ne sort pas. Le gars qui est rentré met le ballon en touche pour Coton. On joue rapidement avec Ebongé. Attention Ebongé. Ebongé qui revient. Ebongé qui a vu Moussou. Moussou qui cherche soit vous contrer. La défense qui se dégage, qui se déchire pour dégager. La main levée de Anaba. Le ballon qui a lavé la main de Anaba. On revient sur le tonnet. On joue rapidement pour Ngomo. Arena, son pied gauche, Arena efface son vis-à-vis, faute. L'arbitre va laisser jouer à Messi. Messi qui l'a vu, Anaba, il n'est pas hors jeu, attention. Anaba qui va aller là-bas, il rentre dans la surface de réparation, il frappe à côté. Il avait vu les avancées, il a mis sa frappe à côté.
on va bien. Tabawa. Tabawa qui met le ballon. Et le gardien. De deux points. Se dégage. L'un qui est sorti de sa cage. Pour jouer, l'entrejeu, c'est pas bon. Attention. Attention Gomo. Et Bolé, il est hors jeu. Hors jeu de Apoa. On va dire bonsoir à Abba Sali depuis la France. Là, c'est de la part de son petit Salou qui le dit bonsoir depuis le Cameroun. On sait, quand on sait que Abba, c'est un dit fils de Dougoï à Maroua, le quartier Dougoï de Maroua. Attention, Bairo, Bairo. Lengo qui fixe son vis-à-vis, Lengo qui s'appuie sur. Attends. Oh là là, le retour. Le retour de Signé. Ah, la pression de Saïd de Dairo qui ne peut pas. On récupère. Et Bongué pour Sibiri. Au milieu de terrain. Sibiri. Sibiri. Il fixe deux joueurs. Sibiri. Sibiri. Il a bien vu Saïd qui demande sur le côté sur le point de penalty. C'est bien joué. Le défenseur qui est revenu mettre le ballon en corner. Je dis que on joue, il y a de l'engagement, une minute de jeu, d'arrêt de jeu, une minute, il y aura qu'une minute seulement. On va suivre ce corner, il y aura une minute seulement d'arrêt de jeu. Il faut dire qu'à la fin de cette rencontre, on va assister. Attention, le dégagement catastrophe de la défense. Je disais donc qu'à la fin de cette rencontre, il y aura la remise du trophée aux joueurs de Coton Sport de Garoua, Tombi, pour avoir été meilleur buteur du mois de mai. Kamer 24, Kamer Sport 24 qui lui va l'attribuer le trophée de meilleur buteur du mois de mai. Tombi, pour avoir marqué 3 buts au mois de mai. Attention, Dairou, Dairou. Il a essayé de fixer, Dairou lève le cuir, sinon le pied de la défense de Panthère. On est rentré dans le temps additionnel, il n'y aura qu'une seule minute. Lemke est sorti loin de sa cage pour prêter pied fort. Attention, nous sommes dans la surface de la poche, le but, ça ne va pas rentrer. Le point ferme de Abogo, le pied, les mains, le point ferme d'Abogo qui va rayer cette action. Il n'y a pas faute de l'arbitre, il n'y a pas faute. Et Koundé, ah, et Bongo l'arbitre demande à ce que le match soit continué, il n'y a pas eu faute. Et c'est la fin de cette première manche. La fin de cette première manche entre le Coton et le Tonnerre Calabaco de Yaoundé. Nous allons dire merci à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis un peu de partout du Canada, de la Russie, du Tchouki, de l'Asie. Allez.